Hey yo les potos, c'est David pour une nouvelle vidéo sur du League of Legends. On racontera contre le petit Mangalov, Warwick vs Warwick. Donc le chasseur de noobs est de retour. Il a jamais essayé Warwick. Moi j'ai déjà joué, hein. Donc le chasseur de noobs est de retour. On va voir s'il va gérer. Dix. Ou 5, ou je sais pas. Alors, par quoi t'as commencé? Comme moi, très bien. On a pris exactement pareil. C'est vrai qu'il attend le mignon, lui. Juste, je remets ça en haut. Voilà. Nickel. J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillement. Je m'entraîne, je tryhard Vayne là ce temps-ci. Je fais des bons scores donc ça va. Il a le droit de venir. Hein. Ah, il arrive enfin. Alors, j'ai gagné le premier trade, je pense. J'attaque pas plus. Il est pas level 2 comme moi. Ok, on récupère des petits dive points. Ok, j'attends qu'il fasse un truc. Ok, nickel! Le vol de vie du Z, enfin la poursuite du Z qui okay, augmente mon vol de vie. Donc ça me fait le premier sort pour moi. Le chasseur de Nouba encore frappé. En plus j'ai l'impression que ça a fait comme avec la morue. Ok, on va back sur ça. J'ai pas pris le Z. T'aurais dû. On va faire donc comme. Enfin, pareil que contre Bidule. On va prendre ça. Quoique, non, on va plus partir sur ça là. Bouh, le mauvais. Au chiottes. J'ai enfin pumé, j'ai enfin trouvé comment on met. Comment on lock avec la touche espace. Maintenant je peux lock avec la touche espace, c'est beaucoup mieux. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Est-ce que j'aurai le gros? Oui. Je suis là. Boum! Le deuxième kill pris par ma part, encore une fois. Le chasseur de noob encore mordu. Nickel! Le chasseur de noob est vraiment OP, hein. On va aller faire la jungle. Et bim! Ah, il avait posé une ward ici.
Hop, on prend moins de dégâts. On passe derrière. C'est trop cool à jouer, je trouve. Eh oui, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu le petit Mangalove. Ça faisait longtemps. Bon, maintenant j'ai deux niveaux de plus. Coucou. Ok, il a utilisé son ghost. Ghost in the shell. Pourquoi j'ai tué mon gosse? Je sais pas. Nickel! Et je récupère le kill encore une fois. Ah, on se met bien là pour l'instant, on est en 3-0. Boum, on prend le petit farm. J'ai battu un Yasuo avec ce Warwick là au mid lane. Avec le petit Warwick AP et AS. Donc je pense en fait, j'ai essayé un Warwick en mid lane. Je pense que je vais prendre. Je vais prendre comme je le prends, je vais prendre pistolet à mistake, dardeur, enfin dans le nashor pour la vitesse d'attaque. Ensuite je prendrai écho de Luzienne, la Guinzo et je ne sais pas, peut-être un peu de tankiness. Et je pense que ça pourrait être fort. Je pense que ça pourrait vraiment être pas mal. Donc là, on y retourne. Alors, il commence par un truc de puissance. Je pense qu'il va prendre comme. Je pense qu'il a dû voir ce que j'ai pris dans ma vidéo. Et je pense qu'il va le prendre. Il va prendre pareil. Et est-ce qu'on va avoir? Oui. Nickel. C'était pas un match-up très facile hein, contre le Yasuo, mais je l'ai mis vraiment cher. Il disait que c'était un noob champ, mon perso. Alors, on va augmenter le E. Là, il y a l'ulti. La trace de sang qu'on va poursuivre. Voilà, c'est la mort de ce jeune homme. On a poursuivi à la poursuite des noobs. Après, je dis noob, voilà, je le traite pas de noob, mais c'est juste que je trouve ça va bien comme surnom. Le chercheur de noob, parce qu'il est toujours en train de me niffler quelque chose. Donc, Et ouais, tracker dans l'âme. Vraiment cool, hein. Zone se vengera. C'est shit comme champ. Ça va.
pense que je pourrais le battre. Avec qui, je ne sais pas. Mais après, c'est pas un champion qui. C'est un champion qui peut se faire vachement counter par beaucoup de persos, je pense. Après, pour les ganks, c'est vrai qu'il est super fort. Donc, je sais pas. Faudrait voir. Dans la méta actuelle, il risque d'être très 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 joué. À part quand il est Astaban. Parce que c'est un champion vraiment très puissant. Ils ont bien fait de le mettre en gratuit pour que les gens testent. Mais maintenant que les gens l'ont testé et qu'ils ont un peu vu, il est Instaban. Il banne moins, donc ça fait moins de vein ban, quoi. Donc ça m'arrange un peu. Où es-tu? Tout du cul. Ok, j'ai pris des dégâts. Il va faire son ulti. Boum. 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 Et c'est la petite mort de la part du Warwick adverse. Le mal alpha a encore gagné. Le mâle alpha a encore gagné. Alors, on va prendre ça. Et ensuite, on va partir donc sur les items un peu vitesse d'attaque. On va prendre ça. Bouillolo. Ah, quoique non, il le prend AP, donc on va pas prendre ça, on va prendre la lame du roi déchu. Pour prendre là la régène de. Enfin, là le vol de vie. Alors, 55 de puissance. 113 de 130 ou 113 d'attaque, je sais pas. Je vois pas trop. On dirait que c'est marqué 15, mais ça serait con un peu d'avoir 15 d'attaque. Alors je sais pas s'il a remarqué qu'il pouvait activer le Z aussi. C'était pas que en passif. Nickel, il a fait ce que je voulais. Hop là, les bons petits dégâts. Le bon vol de vie. Allez, le vol de vie que je prends, quoi. J'avoue. J'avoue. C'est un très gros miss d'ulti là, hein, c'est. Il a vraiment fait son ulti à fond là. Je vais le laisser me prendre des dégâts. Juste pour voir ce que je régène. Mais non. Arrête! Ouais, donc je récupère vraiment pas mal de vie, hein. Mais qu'il est con. Parce qu'il est plus jeune que moi, donc c'est un môme. Je sais pas si ça se dit encore ça, mais. Vraiment un très bon jungle. Là, j'ai vu, par contre, j'ai remarqué un truc assez chiant. Avec les jungle Warwick, c'est qu'ils font jamais leur Drake, quoi. Je veux dire,
Fais-le, Drake! Rien de compliqué, ça dure 2 secondes avec Warwick. En plus, tu récupères des kills assez vite, parce que t'as la chasse, tu vois vite ceux qui. Il est où cet homosexuel? Ok, il est parti chercher son blue. Voilà. Évidemment, je suis pas con. Et... Ah, GG! GG! Ah, GG à lui. J'aurais pas fait mon ulti, j'aurais pas été sur la tourelle, ça aurait été mieux, mais... GG à lui, hein. Ah, regardez, il prend les mêmes items que moi. Pas dire ça. Bon, ouais, t'as eu de la chatte, frère, c'est tout. C'est que de la chatte. C'est la chatte à Mireille. J'arrive. Vas-y, prends plein de dégâts. J'ai vu. Bien sûr que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai pris cet item, pistolet et steak. C'était une bonne idée hein, que j'avais pris, hein. Franchement. Je suis pas déçu. Hein. En jungle, je fais genre donc l'item tank, hein, 400 PV et tout. Après, je fais ça. Après, je prends de la S. Et après, je prends l'hydro titanesque. Et laisse tomber comment c'est fort. J'ai jamais pris full arme, j'ai jamais eu le temps. Où es-tu? Trou du cul. Putain, à chaque fois, ouais, c'était sûr. Ah, GG, c'était sûr. J'ai encore fait l'ulti. Je fais trop souvent l'ulti malheureusement donc j'essaie de bien le placer parce que sinon laisse tomber. Sinon laisse tomber c'est galère. Oui bah oui c'est sûr. Mais à chaque fois je fais mon Z, il est toujours là, donc c'est pas drôle. Ah, il y a des items AP. Il y a 95 de puissance. Moi j'en ai 80, alors que j'ai les mêmes items que lui. C'est étonnant, très chers auditeurs. Donc déjà, il a plus de régène que moi. Clac. C'est pas comme si on n'avait pas beaucoup de façon. Hop. Ok, il n'y a personne. Je suppose qu'il a son raid. Non, il n'est pas là son raid. J'allais faire mon blue moi. Mais ça, il va bientôt réapparaître. Je sais pas où il est parti. Je sais pas ce qu'il fait. Il se touche la nouille. Warwick se touche la nouille. Enfin, il se griffe la nouille. Ah, il est parti chercher des items. Hey, mais il prend que moi ce tricheur!
Ah, c'est un tricheur, il copie sur moi. Même temps, c'est ce qu'il y a de mieux en 1 contre 1, je pense. Surtout en Warwick contre un Warwick, quoi, je veux dire, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux comme item. Pour prendre vraiment beaucoup de régène de vie et faire pas mal de dégâts. Et on court. Allez! Oui, il est encore là, ce bâtard! J'ai 10% de CDR. Il y en a 10 aussi. Moi j'ai plus à l'aise que lui par contre. Il a pris quoi comme rune, je comprends pas. Ok. J'ai gagné une mini trade. Ah, il a mis le. Il n'ose pas attaquer. Voilà. Un peu plus j'aurais eu mon A et donc je l'aurais tué de toute façon. À moins que c'est lui qui l'aurait eu avant moi, il m'aurait tué, mais. Alors, quand on gagne une traquée, notre axe sanguinaire est 2 fois plus rapide, d'accord? Warwick augmente ses têtes d'attaque de 50% contre les ennemis qui ont moins de 50%. Il faisait trop de rejet, j'avoue. Il réapparaît également sur toutes les cartes des champions qui ont peu de PV, ce qui lui permet de se déplacer à 35% plus vite vers eux. En dehors d'un combat, ses bonus sont triplés contre les ennemis qui ont moins de 20% de leur PV. Pour vous dire un peu les. Ouais, j'avoue que j'ai de bonnes rejets. Ça me met bien. On a pris ça, maintenant on va prendre les dégâts. On va enchaîner sur. Je sais pas moi. Sur ça, tiens, bon, on va prendre les... tiens, on va prendre ça. Insane. Bon, tu vois, t'as eu 2 kills. Tu vois? T'as eu 2 kills. Pas un. Pas un. On va prendre notre aide. On doit perdre 0 points de vie, c'est en jungle. Là, ça monte de 1,13 les amis à 1,93. Mais c'est ouf quand même. 1,93. 1,45. C'est vraiment insane. GG. Ça c'était genre un petit peu le truc qui voulait dire que c'était fini pour lui. J'ai récupéré son raid. Oui, ok, donc je peux back.
Je vais contester son ulti avec le. On va prendre le Tiamat. Avec le E. Comme je l'ai fait avant qu'il fasse son ulti. On va éviter de perdre trop de tourelles. Oh, remarque, on s'en bat les couilles. On va aller faire le blue. On s'en bat les couilles. Ah, lui va prendre. Ah, il prend comme il a pris. Ça, c'est Alder qui a pris ça, je crois. Donc là, il a pris de la RM, il a pas le droit. Bon, on va rien dire, mais il a pas le droit normalement. Nous, nos contraintes, c'est 100 RM. Après, c'est l'item qui fait ça. On va pas non plus. On va attendre 13 secondes, les amis. Alors. Et voilà! Encore un kill et c'est terminé pour toi, mon petit. Donc il a fail son ulti cette fois, c'est lui qui l'a fail. Boum! C'est vraiment fort, hein, Warwick. J'avoue que le rework il fait mal au cucu. Alors. Donc il a pas pris son blue. Hop. Je te vois, hein, je vois tes traînées de sang là. C'était marrant ça. C'était drôle. Ah bâtard, il voulait que je me prenne un coup de tourelle. Ouais, moi aussi je vais le faire, connard. Et boum! Tu peux rien faire face à mon Warwick. Il est trop fort. Toi aussi. Bon, mais il a fait 2 kills, mon frère en a fait 0. En tout cas, j'espère que cette vidéo de Warwick, le retour du chasseur de noob, j'espère qu'il vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir, encore une fois. J'aime beaucoup Warwick, comme vous avez pu comprendre. Est-ce que ça augmente la vitesse d'attaque contre les tourelles aussi? Non, même pas. Ça aurait été très drôle, je pense. Ça aurait été un putain de split pusher. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il va refaire un petit dernier ou pas? Ou est-ce qu'il a capitulé, enfin, ou est-ce qu'il a quitté? Alors, il a voulu refaire, mais il s'est loupé. C'est con, hein, je savais où t'étais.
C'est très très drôle de voir la régime de vie à chaque fois échanger. Bon bah voilà. Donc prenez soin de vous en tout cas. Donc abonnez-vous, commentez à fond des items qui pourraient être que vous pourrez aussi trouver pas mal sur le Warwick. Je vous dis à la prochaine. Ciao!